Eh bien, nous sommes à la procure, donc avec Laurence Debray, qui vient de faire paraître aux éditions Perrin une remarquable biographie de Juan Carlos d'Espagne. Alors, Laurence Debray, qu'est-ce qui vous a conduit à vous intéresser à ce personnage? C'était quoi le projet de se lancer dans la biographie d'un homme encore vivant, qui a marqué quand même la fin du XXe siècle en Europe? Pourquoi s'intéresser comme ça à Juan Carlos? Je voulais prouver que malgré ses déboires actuels, ça avait été un grand chef d'État pour l'Espagne et pour l'Europe. Et c'est quand même un événement assez méconnu que la transition démocratique espagnole. Et je voulais vraiment souligner son parcours de otage de Franco, élevé sous une dictature, à un moteur de la démocratisation d'un pays et surtout un moteur d'une européanisation de l'Espagne. Donc je voulais vraiment m'intéresser à ce parcours-là, parce que malgré les déboires d'aujourd'hui, je voulais qu'on soulève ces grands faits qui sont, je pense, très importants au XXe siècle. Donc il y a un acteur finalement de la démocratisation comme, je ne sais pas, d'autres à la même époque. Jean-Paul II, par exemple, peut être considéré comme étant aussi un acteur de la démocratisation, mais il y a aussi l'homme, je suppose, la personnalité qui est quand même, que vous faites découvrir une très belle personnalité. Bon, très bel homme, certes, c'est certain, mais pas que ça aussi. Il y a un homme qui a du charme, qui a de la souplesse. Il y a aussi le portrait qui est très fort dans ce livre, le portrait d'un homme. Oui, c'est-à-dire qu'il a les allures d'un playboy, donc on pourrait le sous-estimer très facilement, et on l'a sous-estimé pendant des années en Espagne, puisqu'on l'appelait Juan Carlos le Bref quand il est arrivé au pouvoir en 75. Et je voulais vraiment souligner la personnalité compliquée d'un homme en perpétuel déchirement entre son père et Franco, entre son devoir de rétablir la monarchie en Espagne et ses penchants naturels, entre sa femme et sa vie d'infidélité. Enfin voilà, c'est une personne très complexe qui a traversé quand même, qui a eu un destin presque shakespearien, qui a traversé les aléas de la vie, mais toujours avec une certaine légèreté, une certaine dignité finalement. Et ça m'a vraiment beaucoup intéressée. Eh bien, en tout cas, merci Laurence Debray. Je pense que ce livre intéressera et passionnera beaucoup de lecteurs. Je rappelle donc Biographie de Juan Carlos d'Espagne chez Perrin. Mille merci.